Rebonjour tout le monde. Vidéo suivante. On avait une jolie chute de papier. Et ici, toi. Voilà, qui nous reste de la pochette de l'étape précédente. Donc, on va faire un pli. Pourquoi j'ai pas rangé mon encre? Voilà, en fait, j'en ai besoin toutes les 5 minutes. Un pli à 1 cm. Dans l'autre sens, un pli à 1 cm. Un pli à 22 cm. Et on coupe à 23. Voilà. Et, tada, si vous n'avez pas cet outil, vous ne faites pas, vous laissez droit. Hein, ne vous embêtez pas, c'est pas non plus une catastrophe. Là, je veux quand même voir que j'ai pas quelque chose de trop grand. 9 pour une pochette de 11, c'est sympathique. Ça me va. Donc, je vais mesurer. Alors, je vais marquer les plis. Comme ça, on saura bien de quoi on parle. Du côté de la pochette, entre les deux plis, hein, les plis ne comptent pas. Entre les deux plis, j'ai envie de laisser 4 cm. Allez, hop, 1, 2, 3, 4 cm de chaque côté. Voilà. Et comme cette perfo, elle est très loin, il faut marquer le pli assez. Il faut marquer la marque assez loin. Et vous prenez le côté notch. Alors, vous prenez le côté notch et vous venez vous mettre votre côté notch là, les deux oreilles. Voilà, vous mettez bien au centre de votre trait. Hop, un petit coup. Pareil de l'autre côté, bien au centre. Voilà, un petit coup. Vous prenez un cutter et une règle et vous venez vous mettre bien au fond du trou là arrondi. Voilà. Et vous coupez. Et voilà, vous avez une jolie pochette. Donc maintenant, je vais ancrer tout ça. Et je reviens. Me voilà. J'ai ancré. Est-ce que c'est des messages urgents? Je ne sais jamais. Je coupe en biais les onglets de collage. Tali-tadam. Voilà. En fait, un tuto, c'est quand même, enfin même un mini, quoi, c'est quand même répéter 20 000 fois les mêmes trucs, quoi. Il y a juste un peu les dimensions qui changent, mais c'est toujours la même chose. Donc là, je mets de la colle sur mes onglets de collage. Je sais même pas quelle heure il est. Ouh, il est déjà 5h30. Cet été, ça sera bien parce qu'il y aura de la lumière jusque tard. On pourra faire les tutos. Je pourrais enregistrer des vidéos très tard. Voilà, donc les petits onglets se colle en premier, enfin se colle en, deuxième même en fait. Et qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Donc sur le flip qui est collé sur la page 3, ici ou ici, alors là, hein, j'ai pas de position préférée, vous mettez la pochette qu'on vient de faire. Là, je l'ai peut-être mise un peu au bord. Hein. Quand même que ça m'empêche pas de plier. Voilà. Alors, si vous êtes folle de pochette, hein, vous pouvez en mettre une autre sur l'onglet qui est collé sur la page 2. Vous pouvez en mettre une autre ici.
si ça vous plaît. Moi, j'avais laissé celle-là pour mettre des photos. Pareil, je vérifie que j'ai pas trop d'empêchement. Non, ça va. Donc là, on a fait une seule pochette. Ça fait pas une grosse étape, une seule pochette. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que ça, là, c'est une grosse étape. Là, c'est une grosse étape. Eh ben, on va s'arrêter là. Hein. Voilà. On va s'arrêter là. Tant pis, ça fera une étape rapide. Ah, ben si, je sais ce que vous pouvez faire. Ah, 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 je savais bien. Non, vous ne pouvez pas le faire tout de suite. Vous ne savez pas où sont vos chutes. Mais vous prendrez vos chutes et vous ferez des tags pour mettre là-dedans. Hein. Ou alors un insert. On verra après quand on aura des chutes. Donc, c'est définitif. J'arrête ici pour maintenant et je passe à la vidéo suivante. À tout de suite.